Tomakasi. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, papa. Merci, Yahweh. Eli ke abanana yo. Merci, Père de gloire. To komina mouma matéya. Tant que vous avez papa na biso neo. Yem ta kote ya na biso. Arulie sa biso. Liloba motuya to bete liye sou ma boko na. Makasi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la joie? Tout est mis. Lèvons-nous. Na kombo na Yesu babeli babika bakanga mi bakangwa yawe yawe kumama papa telema na kembo kati na biso ya Musundi na bato biso tobeleli yowe bomo topesa na yowe mitema posa na yowe yawe yawe kumama papa papa telema na kembo Katina biso yakamo sungi na bato biso chobele liyowe umutu pesa na yowe mite maposa na yowe Yahweh kumama loboko loboko Salakati na biso, Yesu na kombo na Yesu, babeli babika, bakanga mi bakangwa, Yahweh, kumama. Manifeste-toi éternel. Genèse 18. Chapitre 18, versets 1 à 15. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Alors il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous dorer, pour vous restaurer. Puis vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite litre de fleurs et farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur
qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait calé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous les arbres et ils le mangeront. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Derrière lui, Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant qu'elle est vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel au moment fixé? Je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car eu peur. » Mais il dit au contraire, tu y as ri. Amen. Asseyons-nous. Amen. J'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu par rapport à ce texte qu'on vient de lire. Alléluia. J'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu par rapport à ce texte qu'on vient de lire. Si on va donner un thème dans notre partage d'aujourd'hui, je veux dire. La thème, ça sera « Si j'ai trouvé la grâce. » Alléluia. « Si j'ai trouvé la grâce vers l'Éternel. » Alléluia. Donc, si on voit ici la première chose qui se passe, Abraham, il était dans sa tente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la tente était tellement chaude. Il sentait tellement chaud, il a décidé de sortir. Mais quand il a sorti, la première chose qu'il a fait, il s'assit. Mais quand il s'assit, il a regardé donc vers l'horizon, il a vu trois hommes qui venaient. Alléluia. Et quand il a vu ces trois hommes, il s'appressait. Quand je lis ce texte, des fois, je me pose des questions. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, c'était un an avant d'avoir Isaac. C'est la Bible nous dit qu'Abraham, il a eu Isaac, quand il a eu 100 ans, on va voir un homme de 99 ans en train de courir. Alléluia. Regardez un peu ça. Quand il a vu les trois hommes, la première chose qu'il a fait, la Bible dit, il a commencé à courir. Oh, je commence à imaginer un peu comme un homme. Donc, c'est que quand quelqu'un est pressé, des fois, il oublie même ses sandales, il peut oublier même ses chaussures. Mais la chose qu'il a fait de courir, c'est parce qu'il a reçu la visite. Alléluia. Si on subit cette histoire, les anges, quand ils ont apparu, ils avaient des missions. Alléluia. J'aime bien dire ça aux gens. Quand tu reçois, ou bien quand nous recevons un serviteur dans notre maison, il vient avec qui? Des missions. Alléluia. La bénédiction et la malédiction. Alléluia. Faites attention. Et quand il a vu ces trois hommes, il courut. Et quand il a commencé à courir, il s'est prosterné. La Bible ne dit pas s'il a prosterné à personne qui était à gauche, ou bien à droite, ou bien au milieu. Mais la Bible dit il a prosterné. Et quand il s'est prosterné, la première chose qu'il a dit, c'est « j'ai trouvé grâce ». Et quand je dis ça, la Bible nous dit que personne n'a vu Dieu. Il y a les théologiens, ils appellent ça la théophanie. La théophanie, c'est quand Dieu il se manifeste à un homme. Il peut prendre la forme d'un ange. Il a beaucoup de formes qu'il peut prendre. Si on voit quand les Hébreux ils ont sorti d'Égypte, qu'est-ce qui se passait? La Bible nous dit que Dieu il a dit que je serai présent parmi vous. Mais Dieu s'est manifesté à travers les colonnes de Noé et la
colonne de feu. Donc c'était des choses qui montraient au peuple hébreu que Dieu était présent avec eux. Mais ce jour-là, Dieu, il a pris la chair. Il est venu pour rencontrer Abraham. Et quand Abraham l'a couru, il a dit, c'est j'ai trouvé grâce. Il s'est prosterné. C'est il y a une position qu'on devait tenir paix. Donc devant notre Dieu, c'est à se prosternant. Alléluia. En se prosternant. Parce que quand on se prosterne devant notre Dieu, ça nous montre comment nous sommes inférieurs devant lui. Je me dis qu'on est en train de partager. Alléluia. Parce que j'avais même une idée que chacun de nous trouve un thème. Si tu lis, tu vas trouver. Il y a beaucoup de thèmes que tu peux trouver ici. Il y a beaucoup de thèmes. Parce que dans ces 15 versets, il a parlé tellement de beaucoup de choses qui sont tellement profondes. Mais j'ai trouvé une grâce. Parce que s'il y a une chose, le plus grand qui peut arriver à un homme, c'est de trouver la grâce devant l'Éternel. Et quelque part, un jour, je lis dans la Bible, Dieu, il a dit à Moïse, quand il a parlé à Moïse, il a dit, j'ai parlé à Abraham, j'ai parlé à Isaac, j'ai parlé à Jacob, mais ils ne m'ont pas connu dans mon nom. Alléluia. Donc c'est que Dieu il a fait grâce à Abraham de les voir, mais il n'a pas dit son nom. C'est pour cela Abraham il est en train d'appeler Dieu éternel. Mais Moïse il appelait Dieu je suis. Alléluia. Et quand il a parlé, il a dit si j'ai trouvé grâce dans vos yeux, venez un peu. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a reçu des visiteurs? La première chose qu'il a fait, il a lavé les pieds. Il a donné l'eau pour laver leurs pieds. Je sais que nous souvenons tous de l'histoire de Jésus quand il est parti dans la maison de Simon, quand la femme, soi-disant quand la femme il est entrée, la femme il a, que la Bible il a nominée comme la femme pécheresse, quand il est entré, il a commencé à pleurer dans le pied de Jésus. Et quand il a pleuré dans le pied de Jésus, il a commencé à nettoyer avec ses cheveux. Alléluia. C'était comme une coutume. Mais ce jour-là, Simon, il a oublié ça. Mais Abraham ne l'a pas oublié. Quand il a reçu des visiteurs, quand il a couru vers ses visiteurs, il a dit, asseyez-vous sous cet arbre. Il a donné l'eau. Il a dit, restez là parce que je vais préparer un bout du pain pour vous. Alléluia. J'aime bien dire ça. Quand tu reçois aussi quelqu'un dans ta maison, fais le maximum qu'il boit même un peu d'eau. La Bible dit quoi? Quand tu reçois quelqu'un, si tu donnes un bout de verre à le petit qui croit en moi, jamais je t'oublierai. Alléluia. Soyez amis, vous donnez ma paix, c'est la moi maille. Alléluia. Moi, j'aime bien dire ça à Sœur Kelly. Les visiteurs, même s'ils bouffent tous les nourritures qu'il y a dans ta maison, ne t'inquiète pas. Demain, il va partir. Alléluia. Donc, toi, saisis seulement cette opportunité. Pourquoi? Quand tu reçois quelqu'un, c'est pour ça que Jésus il a dit, quand vous allez annoncer la parole, c'est quelqu'un qui vous reçoit chez lui. Laissez la bénédiction qui est en vous dans cette maison. Alléluia. C'est que nous, les chrétiens, bien, nous, les enfants de Dieu, quand on croit en Dieu, il y a une bénédiction qui marche avec nous. Est-ce que quelqu'un y croit? Est-ce que quelqu'un y croit? Acclamons pour la gloire de Jésus. Il a reçu des visiteurs. Il a dit, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru encore. Oh, cet homme-là, il était chaud ce jour-là. Abraham, il était chaud. Il a couru encore vers Sarah. Il a dit, Sarah, il a promis qu'il voulait donner seulement un bout du pain. Mais quand il a couru vers Sarah, il a changé son langage. Le langage l'a changé. Il a dit, Sarah, prépare-nous un moment pour nous visiter. Alléluia. Oh, bien-aimé, il y a des gens, des fois, j'aime bien dire ça. Il faut savoir saisir les opportunités. Savoir saisir les opportunités. Parce que ton regard peut changer ta vie. Je répète, ton regard peut changer ta vie. Il y a une femme qui il avait beaucoup de l'argent, mais il n'avait pas des enfants. Quelque part, à force de ça, il s'habituait à ça. Mais un jour, il a vu le prophète Élie qui passait avec son serviteur. À force de le voir passer, il a dit, non, je vais stopper cet homme-là. Alléluia. Cet homme, il passait jour et nuit. Il passait tous les jours, il ne faisait rien. Mais le jour qu'il a changé son regard, sa vie aussi, il a changé. Il a dit, écoutez-moi, serviteur de Dieu, aujourd'hui, tu ne passeras pas. Tu vas rester chez moi. La Bible dit qu'il a donné une toit, il a donné un endroit pour dormir. Et qu'est-ce que cette femme a dit? Et qu'est-ce que cette prophète l'a dit? Il a dit à son serviteur, regarde, cette maison, ça manque une chose.
Il a regardé, il a dit, on dirait qu'il manque rien. Cette maison est tellement belle, une belle maison. Oh, il a tout qu'un homme peut avoir. Il a dit, non, ça lui manque une chose. Ça lui manque la joie. Alléluia. Balana mukongo yeba, bala mukongo yoka. Ngalinga suna kina ndak basani panzana. Alléluia. Ça complique tout. Balana mukongo yoka. Et quand il a vu ça, il a dit, appelez cette femme. Il a dit, tu auras un enfant. Pourquoi? Son regard, sa regard, il a fait que Dieu lui donne un enfant. Donc, il n'y a pas de temps, il faut changer la vie, après, il faut compliquer la vie. Le mal à mon pasteur, surtout nos sœurs, ça va. Alléluia. Vino et tikali bongo. Alléluia. Et quand il appelait, il a dit à Sarah, Abraham, il était sage. Il a dit, je vais bénéficier cette bénédiction avec ma femme. Il a dit, Sarah, prépare une chose. Parce que tant qu'on rebondit là, tant qu'on rebondit à Binzambe, la source de provenance peut bénir la personne qui a préparé la nourriture. Ah non, Dieu, il est bon, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, Dieu, il est bon. Dieu, vraiment, il est bon. Dieu, il est bon. Alléluia. Ce que vous avez pensé à l'IA, des fois ça fait mal. C'est là que le programme est là. On compte mes souvenirs, mais mon païaïe. Alléluia. Tu fais le calcul, tu dis non, tout est bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va profiter, on va manger que nous. Tant la sonnette, tant. Bah, tu vas avoir la caméra, il y a un peu de temps. Ah, oh, tu vois, il y a un peu de temps. Aïe, aïe, aïe. Ça complique tout. Ça complique tout. Il y a un peu de temps. Ça va. Alléluia. Et quand il a dit Abraham, mais apprends-toi. Avec une question au malembe, parce qu'il savait que ces trois hommes ils ont une mission. Il a dit apprends-toi. Et quand il s'est pressé, à qui a coûté une sous à l'objet, bon, c'est là quelque chose. Et quand ils ont fait ça, et qu'est-ce que quand il a dit que je vais préparer quelque chose, ces trois hommes ils ont dit fais comme tu l'as dit. Alléluia. Ils n'ont pas fait de commentaires. Écoutez, jusque là, ces trois hommes ils étaient en train d'écouter. Ils ne parlaient pas. Il y a une révélation. Ils entendaient, mais ils ne parlaient pas. Mais quand ils ont fini de manger, est-ce qu'on sait quelque chose? Quand ils ont fini de manger, ils ont demandé, il est où, Sarah? Et ce que je veux dire, c'est que nous avons Sodome et Gomorre. Mais quand ils ont mangé, quand ils ont bu quelque chose, ba vandi balobi et Léo Sarah. C'est là où l'histoire d'un homme commence à changer. C'est pour ça que je dis, si on a trouvé grâce, tout ce qu'on a dans notre vie, faut pas vraiment dire que c'est moi. J'aime bien dire ça. Dieu l'a dit à Moïse, c'est le peuple hébreu, il arrive au Canaan. Quelque chose commence à pousser. Eh bien, si ce qu'on dit quelque chose, c'est là qu'on est bimis, qu'ils ne disent pas que non, j'ai beaucoup travaillé cette année. Dis, c'est la grâce de Dieu. Dis vraiment, c'est la grâce de Dieu. Des fois, quand j'étais en Angola, des fois je disais, parce que ça nous arrivait au bout des moments, des fois, tu dis, surtout sur ton bon ici, tu dis, on dirait que tu n'as rien à dire devant Dieu. Au moins, tu dis, tu as reçu de l'autre côté. Mais je me dis, un jour, je suis parti au Sana. Les gens qui sont partis, qui connaissent en Angola, Sana, c'est l'endroit où les gens qui ont des maladies de tuberculose, où ils vont. Je suis parti là-bas, mais j'ai vu l'état des gens. Je commençais à pleurer. Ça m'a fait tellement mal. C'est pour ça, des fois, ça me fait mal quand on vient vers l'Éternel, que quelqu'un dise, bondez là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Des fois, on n'a pas besoin de ça. Si tu regardes seulement ta vie, surtout les femmes, quand vous regardez le miroir, je crois que ça doit donner des sujets pour adorer l'Éternel. Abraham, il a trouvé grâce devant l'Éternel. Il a donné quelque chose à manger. Attention, c'était des anges, mais ils ont mangé. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une théophanie ici. Donc, normalement, un ange n'a pas besoin de la nourriture. Mais quand Dieu veut faire faveur à quelqu'un, il fait comme il veut. Il peut se diminuer comme il veut.
Mais il fait ça pour nous montrer dans la création. S'il y a quelqu'un qui est très important, c'est toi et moi. Les Hébreux, ils ont dit que l'homme, on appelle des keter, la couronne de la création. C'est pour cela que nous sommes en souka, parce que couronne, c'est quand on est bandelité, c'est quand on est souka. Alléluia. Yango, un jour on sera couronné. Pas aujourd'hui. Un jour on sera couronné. Pas aujourd'hui. C'est pour cela, bats-toi. Bats-toi, bats-toi. Ne lâche rien, mes frères, mes sœurs. Ne lâche rien. Et cet homme, quand il a mangé, ils ont dit, il est où, Sarah? Le problème, c'était quoi? On regarde nos apparences. Des fois, on regarde l'air. Mais ce n'est pas dans cette lèvre que Dieu opère. Et quand Dieu veut opérer, il ne regarde pas l'état de notre peau. Sarah, il était vraiment des âges avancés. Mais ce qu'on dit avancer à un homme, ce n'est pas avancer à notre Dieu. Je répète, tout ce qu'on voit impossible à nous, ce n'est pas impossible à notre Dieu. Il a dit, il est où ta femme? Il a dit, dis à ta femme, Nathan, on t'osa. Alors, c'est temps-là qui, on a, dans le temps-là qui viendra. À la même époque, moi, je viendrai. Et ta femme, Sarah, il aura un fils. Alléluia. Amen. Depuis que cette histoire aussi a commencé, Sarah, elle disait rien. Mais quand elle entendit ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Azamoutou. Azamoutou. Asse Kalbia. Ah, et aussi, m'a sous-souté. Il a dit, un jour, j'étais déjà belle. Mon nom est maintenant belle Sarah. Mais maintenant, je suis mamie Sarah. Ça ne va plus marcher. Pourquoi? Il a regardé tant. Il a dit, attends, ah, je sais qui. Mais comme notre Dieu, il est omniscient, omniprésent. Ayokie, ayokie. Abi, pourquoi ta femme est en train de rire? Est-ce que quelque chose est impossible à notre Dieu? Alléluia. Rien n'est impossible. Un jour, je lis dans la Bible dit qu'il y a un poisson géant qui a envalé Jonas. Même si la Bible me disait que c'était Jonas qui a envalé le poisson géant, parce que c'est un zambé. Alléluia. Parce que nous, on fait nos calculs comment? Comment ça peut arriver? Pourquoi papa na Jean-Baptiste Alobara sous-souté? Parce que c'est le même ange qui est à Paris. À Zacharie, et c'est le même ange qui apparaît à Marie. Les deux ont posé presque la même question. Alléluia. Parce que Zacharie, il attendait un enfant. Ah, j'ai été avancé. Mais Marie, à Zalaga, moi, je suis allé à l'autre côté. Zacharie demandait quoi? Nabota. On comprend ça? Et quand Dieu l'a, et quand l'ange l'a pari, il a douté. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu reçois un serviteur, attention, il y a la bénédiction et la malédiction. Et quand Dieu te dit, va, ne doute pas, va. Quand Dieu t'appelle, viens, ne doute pas, va. Parce qu'il y a des choses des fois qu'on voit dans la Bible. Quand Dieu il veut utiliser un homme, il peut utiliser un homme qui a la connaissance. Il peut utiliser un homme qui n'a pas aussi la connaissance. Mais comme il dit, c'est la source de connaissance, il va faire quoi? Il va te capaciter. Quand Dieu l'a appelé David pour le consacrer comme roi, il ne connaît rien. Il ne connaissait pas comment gouverner un pays. Il ne connaissait pas comment je peux marcher un bataillon. Mais quand Dieu l'a pris, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui-même Dieu qui l'a fait quoi? Il l'a formé, il l'a façonné, il l'a préparé, il a dit, voici votre roi. Et c'est possible aussi de prendre les gens qui ont déjà la connaissance. On va donner l'exemple de Moïse. Moïse avait la connaissance. On va prendre l'exemple de Paul. Paul avait la connaissance. Donc, c'est que ne doutez pas quand Dieu t'appelle. Approche-toi, va vers lui. Il sait qu'est-ce qu'il va faire pour ta vie. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus.
Alléluia. Oh, Dieu, il est bon, Dieu, il est merveilleux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu es en train de voir qui s'enlèvent vraiment à ta joie. Je ne sais pas quel domaine qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas, parce que c'est vraiment impossible qu'on connaisse ça. Mais je voulais rassurer à quelqu'un. Parce que quand Dieu il parle, des fois, ce n'est pas tout le monde qui reçoit ça. Il est comme ça. Ce n'est pas quand on dit que cette année, c'est une année de miracles. Des fois, ce n'est pas tout le monde qui va vivre cet miracle. Malheureusement. Et moi, je ne peux pas vous mentir. Non, tout le monde y verra ça. Non. Mais avant que cette année finisse, je crois qu'il y a quelqu'un qui va dire non, Dieu m'a fait grâce. Amen. Avant que cette année finisse. Ne regarde pas, ne dis pas que non, moi, je suis Sarah. Là, j'ai avancé. Ne dis pas ça. Et je ne sais pas, je ne vais pas te dire que c'est trois anges qui vont apparaître aussi dans ta vie. Et je ne vais pas dire ça. Mais une chose, je sais qu'il va faire quelque chose. Comment, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le maire qui va s'ouvrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le maire qui va sécher. Je ne sais pas. Parce que ça, des fois, ça nous arrive. Non. Non. C'est pour cela que Josué, ce jour-là, je crois, il s'est trompé. Avec Moïse, Dieu il a ouvert l'eau. Mais tant que comme il pouvait côté na Jéricho, nzamba kabula gimaite, nzamba kausa gimai. Alléluia. Nzamba za lokola formule gatoté, gatonyo sokotsa, farine sokosa, ça sort toujours de la même forme. Non, il n'est pas comme ça. Il peut bouger à gauche quand il veut. Il peut bouger à droite quand il veut. Il peut faire pousser s'il veut. Et c'est pour confirmer vraiment sa grandeur dans la vie de quelqu'un. C'est il faut que le ciel s'ouvre, que les feux tombent, il fera. Il fera. Parce que nous tous, on a l'habitude de voir des choses qui tombent du ciel. Quelles sont les choses qui tombent du ciel? La neige et la pluie. Mais pour Dieu, c'est il veut confirmer une chose de la vie de quelqu'un. Et ça la monte au kita. Et ça la monte au kita. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu comme une nouvelle. Et je ne pourrais pas imaginer le degré de comment vous êtes abattu. Je ne pourrais pas. Ce jour-là, Moïse, Abraham, il n'était pas bien. Tu imagines, Dieu il a fait une promesse. Avant, il s'appelait Abraham. Mais maintenant, Dieu il a dit que non, à partir d'aujourd'hui, tu seras Abraham. Et il a rajouté une chose. Il a dit, je t'appelle Abraham parce que tu seras père de multitudes. Imagine-toi, père de multitudes. Ils ont changé le nom de Sarah. Il a dit, tu seras la mère des nations. Je crois que quand Abraham il appelait Sarah, s'il y avait des voisins, il disait, imagine-toi quelqu'un qui a 89 ans. Et son mari qui a 99 ans, il l'appelle maman des nations. Abraham, vous allez courageux. Hein? Alléluia. La foi, c'est la folie. Il n'y a nulle part dans la Bible où j'ai vu Jésus en train d'admirer parce que les apôtres, ils ont fait des miracles. Il y a une chose que Jésus l'a admiré. Il a dit, « Oh femme, c'est tellement grand ta foi. » Il a dit à cet homme, « Si j'ai trouvé la foi comme ça en Israël, bats-toi. » Et je sais que Dieu... il fera quelque chose. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen.